Le Connemara est une région de montagnes et de landes sauvages et préservée même s'il y a eu autrefois une occupation agricole humaine. Ces paysages sont déchiquetés avec des anses profondes où les montagnes viennent s'enfoncer dans la mer. Le paysage est parsemé de lacs et le climat y est venteux et rude. Le parc national du Connemara est l'un des 5 parcs nationaux d'Irlande. Il comporte 12 sommets appelés les 12 Bens, dont le plus haut est à 700 mètres d'altitude. Il a été créé en 1980 et il comporte plus de 200 hectares de tourbières au centre de différents paysages. Il offre une flore et une faune variées et préservées. Le Visitor Center, aménagé dans ce parc, propose un musée thématique sur les paysages de la région et les activités liées aux tourbières, ainsi que 3 sentiers de randonnée thématique. Nous avons choisi de randonner sur le plus grand sentier proposé. Nous avons découvert des paysages uniques et nous avons traversé des tourbières au fil de l'ascension du Diamond Hill, une colline de 445 mètres d'altitude. De nombreux aménagements destinés au public sont prévus sur ces sentiers tels que les caillebotis, des systèmes de drainage, mais aussi des voies pavées pour permettre aux visiteurs de découvrir le milieu humide et fragile qu'est la tourbière sans le dégrader. Les tourbières se sont formées après l'ère glaciaire. Elles couvraient une importante superficie, alors qu'aujourd'hui, elles ont très fortement diminué de par leur exploitation intensive par l'homme. La tourbière est un écosystème fragile. C'est une zone humide qui se caractérise par une accumulation progressive de matières organiques mortes appelées tourbes. Les tourbières sont des milieux naturels exceptionnels du fait de leur biodiversité intéressante. La végétation des tourbières peut être étudiée grâce à différentes méthodes d'inventaire des populations végétales comme le transect ou la méthode des quadras. Elles permettent d'identifier un échantillon de végétation dans un milieu et d'étudier son évolution dans le temps et l'espace. L'étude des tourbières fait apparaître que des plantes spécifiques occupent ce milieu avec des adaptations propres comme la drosera qui est une plante carnivore. Le fait de consommer des insectes qu'elle piège avec les poils gluants lui permet de faire face au manque d'azote du milieu. La sphaigne, du genre Sphagnum, est également inféodée au milieu humide. C'est une mousse formant des coussins verts, parfois rougeâtres, gorgés d'eau. Sur la tourbière, nous trouvons aussi des poacées comme la molinie. That's Molinia carolia. That's it also. At this time of the year, it dies back. Okay, it's a deciduous grass. It loses its leaves during the winter. Donc la plante qui couvre la plupart, 30% de cette exploitation, en particulier des tourbières, c'est cette plante-là qu'on reconnaît facilement parce qu'elle est en touffe, c'est ce qu'on appelle la molinie en français. Et on la reconnaît donc à son port, il veut tout à fait là en tournant. Et elle a pour particularité de d'essaimer ses graines pendant l'hiver. Sur la tourbière, nous trouvons aussi le chouin noirâtre, Chinus nigricans, formant des touffes de pousses appréciées par les moutons, ou encore la myrtille des tourbières, ainsi que des plantes ligneuses telles que la bruyère ou la calune. Suite au déboisement, des résineux ont été réimplantés près des tourbières, épicéas, sapins, pins écossais, mélèzes. De nouvelles fleurs se sont développées, enrichissant la biodiversité locale. Historiquement, les animaux se sont illustrés dans la région. Son plus célèbre représentant est le poney du Connemara qui apparaissait sur les anciennes pièces de Vimpent. C'est une espèce indigène rustique adaptée aux conditions climatiques difficiles de la région. Les tourbières forment également un milieu gorgé d'eau. Elles jouent un rôle dans le cycle de l'eau. Elles régulent les flux hydrauliques en retenant l'eau pendant une période plus ou moins longue avant qu'elle ne soit restituée au milieu. Ce système de régulation d'eau permet d'adoucir les phénomènes de crue. Les végétaux qui poussent dans les tourbières permettent de filtrer et donc d'assainir le milieu.
Les tourbières, en plus de leur intérêt écologique, présentent un grand intérêt économique. Elles sont le lieu de production naturelle de la tourbe. La formation de la tourbe se fait avec l'accumulation de matières organiques, végétaux morts, non décomposés. La matière végétale morte met beaucoup de temps à être dégradée du fait de conditions climatiques très particulières, froid et humidité, et de conditions édaphiques spécifiques, sol anoxique et acide. La tourbe est constituée de 10 à 20% de matière organique morte, non décomposée, le reste étant la teneur en eau. La principale propriété de la tourbe est sa teneur en carbone, qui peut atteindre 50% en poids, la rendant ainsi intéressante en tant que combustible. On peut dire si la tourbe a une forte teneur en fibres grâce à l'échelle de Van Prost, elle va de 0 à 9. La tourbe intéressante se situe entre 7 et 9. Le rôle économique des tourbières est donc très important en Irlande. La tourbe était auparavant extraite manuellement à l'aide de pelles spécifiques. Elle est maintenant extraite de façon mécanique. Au moment de l'extraction, la couche de surface vivante est détruite pour exposer la couche de tourbe désirée. L'extraction retire la tourbe, dont la formation a pris des milliers d'années, à raison d'une accumulation moyenne de 5 cm par siècle. Une fois extraite, la tourbe est découpée en briquettes qui sont empilées en petits tas pour être séchées. En Irlande, la tourbe est majoritairement employée comme combustible, mais elle peut aussi être utilisée comme engrais de par sa grande teneur en matière organique. La tourbière possède également une valeur historique et paléontologique. La tourbe permet à la matière organique de rester dans un bon état de conservation même après des millions d'années. La tourbe constitue donc un enregistrement de l'état de la végétation passée et des climats anciens. L'Irlande est une terre avec des paysages remarquables et des ressources bien différentes des nôtres, mais tout aussi intéressantes. On y trouve des milieux uniques qu'il faut préserver d'une exploitation qui est intensifiée avec le temps. Pour réagir à la diminution de la surface des tourbières et à cette atteinte à la biodiversité, le ministère de l'Agriculture irlandais prévoit de limiter puis d'interdire leur exploitation dans les années à venir. La préservation de l'environnement et des espaces naturels est ainsi affichée comme une des priorités du pays.